Frédéric Vigel dans une cheminée. Oui, c'était pas le Père Noël. Alors Frédéric Vigel, pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste d'art contemporain qui est maintenant installé au Japon, mais qui est issu de l'ISBA de Besançon. Et il me disait, oh, moi je fais de la performance et tout, qu'est-ce que vous faites? Ben nous on fait du son, etc. Et il a dit, ah, ben, qu'est-ce que vous préférez du son sur ma performance? On a dit, ok, mais on a un petit projet, c'est King's Queer, ça serait pour un one-shot. Il a dit, ok, let's go. Et donc on s'est retrouvés au fin fond d'une forêt noire en Alsace, dans une ancienne caserne désaffectée. Fait notre premier concert performatique et on voulait juste s'arrêter là, mais là évidemment il y a eu d'autres gens qui nous ont demandé de jouer par la suite, donc on a couru après King's Queer et ça fait 5 ans et demi qu'on parcourt plein de pays différents avec cette histoire. On peut nous trouver autant dans des concerts punk que en effet dans des musées d'art contemporain, dans des galeries, etc. On fait des concerts et on fait des performances et on travaille aussi pour le théâtre. Enfin voilà, on n'a pas envie de se cantonner seulement à seulement faire des concerts. Pour nous, la mise en scène c'est très important, le visuel est très important, voilà. Dans le monde occidental, l'idée de supériorité de la vie est une obsession. Des signaux secrets enflamment les foules, propulsant les êtres par région, intimant à chacun l'ordre de dépasser ses sandales, d'une tête ou d'un talon. Et les nues par millions se tendaient vers ce total ultime, la supériorité. Ce n'était qu'un jeu. Alors c'est clair qu'avec l'ISBA de Besançon, et en particulier avec Laurent Devez et Julien Cadoret, on a une relation privilégiée. C'est quelque chose de très important pour nous, cette institution et ces personnes-là. Il faut dire qu'avec Julien, eh ben, on a commencé King's Queer ensemble. On vous parlait tout à l'heure d'un festival de performance en Alsace. Eh ben, Julien, il performait aussi. Puis on a fait pas mal de dates tous ensemble avant qu'il ait un poste à responsabilité à l'ISBA, quoi, à l'école des beaux-arts de Besançon. Et Laurent, il faut savoir que Laurent nous a vu notre deuxième performance. Laurent Devez, il venait juste de prendre son poste, on jouait dans une cave, et il est venu. Et de là, c'est vrai qu'on a eu une espèce de coup de foudre réciproque, et on a décidé d'essayer de faire des choses ensemble. Donc ils nous ont invités en 2013 pour les journées portes ouvertes. On arrivait de Bordeaux, on s'était fait 15 heures de route. Et puis quand on a lancé le King's Queer Art Collection, donc cette histoire de pochette de disques, on a voulu associer les élèves de Lisbonne, on a donné 6 pochettes aux élèves. Et puis on a demandé à monsieur Laurent Devez de nous faire une des préfaces du catalogue. La deuxième préface, c'est Pierre Mikaloff, qui est journaliste et rock critique, monsieur Pierre. Pour le côté rock, le côté musical, c'était Pierre. Et puis pour tout le côté philosophique et artistique, c'était Laurent. Et d'ailleurs, quand on a fait le vernissage à l'ISBA, au mois d'octobre, eh ben Laurent Devez a fait une performance pendant notre concert, et on lui a demandé d'écrire un texte en live. Il était absolument pas au courant, il a été au courant à peu près 20 minutes avant. Et bien comme on dit chez nous, comme d'hab, Amours et Révoltes. On avait pris l'habitude de faire des billets d'humeur, on a sur des réseaux sociaux, sur des blogs, etc. Et un jour, on a signé Amours et Révoltes. À la fin, je sais pas, je me souviens même plus d'où c'est venu, quoi. Et c'est resté. Et maintenant, c'est vrai que des fois, on marche dans la rue. Dernièrement, on était dans une ville qui n'était pas la nôtre. Il était tard le soir. On traverse un passage piéton. C'était un peu un quartier mal éclairé, un petit peu glauque, quoi. Et là, tout d'un coup, il y a une voiture qui ralentit auprès de nous, une vitre qui se baisse, et on entend hurler « Amours et Révoltes !» Voici l'amour, et la révolte. Ici, c'est là vous êtes à la maison, enfin dans notre espèce de d'atelier studio maison. C'est notre boîte postale. On est quelques jours par mois, c'est tout. Et sinon, on est toujours sur la route et on se définit vraiment comme des gens nomades. Et la culture nomade est quelque chose d'important parce que ça veut dire se réinventer chaque jour, se remettre en question. Comment un taxi dans la nuit, une avance, nocturne, blessure, fracture, nous ne sommes pas capitalisables, nous sommes ingouvernables. XX, XY, sans identité fixe. Exactly.